Salut tout le monde, c'est Azarath, on se retrouve pour l'épisode 4 de la saison 2. Alors la dernière fois on s'était arrêté sous terre. C'était le lever du jour, il devait être 8h si je me souviens bien. Donc on va tranquillement se rendre à la surface pour aller chercher plus de vivres, histoire de pouvoir rester sous le sol pendant encore plus longtemps. Ah, donc je vous rappelle, l'objectif c'est de collecter un maximum de ressources pour pouvoir construire notre petit fort. Donc niveau matériel, là ce que j'ai déjà pas mal de munitions, d'armes, etc. Je peux déjà bien me défendre. Et donc voilà, donc là c'est chargement, chargement, allez vas-y. Allez, c'est bon. Donc voilà. Il est 9h, 9h40. 9h40. Il y a déjà des bruits, c'est super. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire une pelle? Oui, largement. Non, c'est pas comme ça. J'ai largement de quoi faire une pelle. J'ai besoin d'une pelle. Alors, là, on entend très bien les spider zombies qui sont à la surface. Ça me plaît pas du tout. Ah, c'est de la pierre, c'est de la pierre. C'est de la pierre. Ouais. Alors il fait jour, mais le problème c'est que c'est blindé en haut apparemment. On va commencer à creuser en haut. Ok, d'accord. On va creuser là. Ouais, ça me rassure pas du tout parce que là il est 10h. Bon, il fait jour, je vais mettre des torches. Parce que là, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que je vais péter en haut. Je vais tout simplement péter en haut. Et le truc, c'est que ils vont tous descendre. Ils vont s'engourber dans. Enfin, ils vont s'engouffrer dans le couloir que je suis en train de faire. Et le truc, c'est qu'après j'aurais plus qu'à les attaquer. Alors là on a du potassium, c'est pas mal. Là ça doit être de l'iron ou du charbon, mais je vais le laisser. Il va me servir de marche tout simplement. Ah, je suis juste. Je me sers du bug, hein. D'accord, il y a trois zombies. Oui, je cheat un peu, hein. Bon, c'est pas vraiment du cheat, c'est du use bug comme on dit. Bon, voilà, on n'est pas loin de la surface. On n'est pas loin. On va y aller tranquillement. De toute façon, il faut que je fasse ma sortie. C'est impératif, il me faut ma sortie. Personnellement, j'aime pas du tout les bruitioles. Hein. J'espère que vous m'entendez bien avec tous ces grognements. Là. Mais normalement, ça devrait aller. Alors, je vais remettre une torche parce qu'on voit comme dans le cul d'un zèbre. Hein. Excusez-moi pour l'expression. Putain, il attaque la torche, ce con. Je vais la mettre plus haut. Hein. Normalement là c'est bon. Faut aussi se dépêcher parce que le temps passe vite, il est déjà midi. Hein. Ok, alors. Putain! Et leur système de torche là va falloir qu'il. Voilà, normalement c'est bon. Va falloir qu'il le change, hein, je crois, parce que. Là ça va plus. Hein. Ça ne va plus, ça ne va plus. Donc je. On continue, on continue. Encore du potassium. Alors c'est du potassium. Du potassium j'en ai pas mal, mais c'est du plomb qui me manque. Pour pouvoir refaire des munitions.
Alors là, je crois qu'on s'approche bien de la surface. C'est de la terre, ça, je crois. Hein. Je crois que c'est de la terre. C'est de la terre. Bon. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ce que je ferais bien, c'est de creuser l'eau, de les laisser tomber comme des merdes, en fait. Et de pouvoir les buter. Il attaque encore la torche. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Même le jour, ça craque, quoi. Allez. Il attaque. Non, putain. C'est pas possible, ça. D'accord, ils sont tous au-dessus. Putain, ça... Ça va pas te crier comme ça, là-haut. Putain, ils m'ont foutu une de ces trouilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts? Non. Pourquoi ils gueulent comme ça? Non, je sais pas. Putain, mais... Il y a un sérieux problème avec les torches, hein. Je vais y arriver, je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Là, ça devrait être bon. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Je vois la surface. Allez, venez. Au suivant. Il n'a plus. Je crois que c'est bon. Non, il n'en a pas. Je crois que c'est bon là. Je crois qu'on a fait le ménage. Je crois qu'on a fait notre petit ménage. Alors je vais casser le bloc de pierre. Remonter tout simplement. Il faut que j'en recasse un, non? Ouais, il faut que j'en recasse un. C'est de la terre. C'est de la terre, apparemment. Ok. Je vais leur boucher. Je vais mettre une torche. Normalement, là, c'est bon. J'aurais plus rien à casser. Voilà. Et je vais tout simplement continuer mon escalier. Il est déjà 15h. Ouais. Ah fucking bitch. Allez, on sort, on sort. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'il nous faut? Du bois. Faut qu'on coupe du bois. Toi, tu dégages. Alors il nous faut du bois. Allez, on se dépêche. Bon, il n'y a pas grand chose en bois. Allez, tiens, là il y en a pas mal. Je vais faire des pics, pas mal de pics. Allez. Quand tu veux. Ok, la zone a l'air quand même dégagée. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de monde. Ça va encore. Je vais me faire celui-là. Mon trou, il est au-dessus, je crois. Il est là-bas. Bon, j'ai paumé mon trou. Merde.
que c'est que j'étais? Je vais me repérer avec les blocs en bois. Alors les blocs en bois, ils sont là. Donc mon trou, il doit être... Oui, il est là. Voilà. Il est là. On va faire des pics. Je vais blinder de pics, en fait. Je pense pas fermer le trou. Ou peut-être avec juste des planches. Voilà. On va refaire d'autres pics. Voilà. Hop. Oh, je peux pas les regrouper, c'est pas grave. Wood spike. On va faire un taquet. Plein de wood spike, allez. Je vais tout simplement en mettre partout. Ok. Je vais tout simplement en mettre partout. Hop. Hop. J'entends des spider zombies, ça m'énerve. Vous savez très bien à quel point je les aime. Quand je dis que j'en mets partout des pics, je vais vraiment en mettre partout. Histoire d'être tranquille. Et si je veux sortir, bah, tout simplement, je... sortir bah, j'enlèverai les pics sur chemin, j'ai pas vraiment d'autre choix. Alors de toute façon là je pense que on va descendre, je pense que j'ai suffisamment de nourriture et d'eau pour tenir une nuit supplémentaire. Oui, j'en ai largement assez. Et et du coup, bah, on va continuer notre petite quête de ressources. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est du plomb. Hop. Je vais quand même mettre de la terre, je pense. Est-ce que j'ai de la terre? J'ai pas de terre. Je vais juste mettre des planches. Des planches au-dessus. D'accord, là je ne peux pas. Comme ça. Voilà. Juste comme ça, pas trop. Je vais mettre des pics sur tout le chemin. Là normalement je devrais être tranquille. Si je fais ça. Ah putain le con! C'était un lapin quoi. Oh le fils de lapin là. Oh putain. Oh non. Eh, faut que je me soigne. C'est un lapin, c'est rien, c'est un lapin. Simple lapin. C'est tout. On continue. Mais il faut dire aussi que les lapins font quand même un bruit vachement bizarre. Je sais pas. Normalement, là, je suis tranquille. Normalement, je suis tranquille. Alors, c'est dommage parce qu'avant, on pouvait empiler des pics. Et là, on peut plus. Depuis la mise à jour, enfin l'alpha 5, on peut plus empiler des pics. Ça m'aurait servi. Mais c'est vrai que c'était un peu abusé, pouvoir les empiler comme ça comme vous voulez. Oh putain! En tout cas, le truc qu'il faudra arranger, c'est ce problème de torche là. Oh! Merci. On peut même pas s'éclairer quoi. Ou alors ce qu'il faudrait, c'est faire un trou. Hop, une torche dedans. C'est un peu con, mais bon. Avec ça qui marche, apparemment. Par contre, je viens de remarquer un truc, c'est que j'ai pas de lit. Ah, c'est pas grave. Je sais où je suis, de toute façon.
Je suis... Ouais, j'ai un lit ici, je pourrais hop, aller au nord. Merde, con. C'est, mais, donc c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Parce que, est-ce que j'ai pas une pioche endommagée? Quelque part. Non, j'ai pas de pioche endommagée, bon bah c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? On va chercher une pioche endommagée pour pouvoir réparer la mienne. Allez! Oh, putain, c'est pas possible. Décidément, rien dans les pattes. Hein. Et bon, un coup, ça te fera du bien. Ils sont déjà... Ah, il est 21h! Il fait déjà nuit en fait. Il fait déjà nuit et ouais. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est en train de tout casser en haut. Ils ont buté un cochon. Ils ont buté un cochon. Bon, j'étais en train de péter quoi, mon fait. Ah oui, ça. Hop. Alors, c'était quoi? You. You. Ah putain, il est là. C'était de l'iron. Bon bah c'est tout, c'est déjà ça, de l'iron. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raffiner, moi? Bah l'iron, du coup. Alors ça me fait pas mal de lingots, hein. Là, niveau fer, je suis quand même à l'aise, j'ai envie de dire. Bien à l'aise, hein. Mais ce qu'il me faudrait, ouais, c'est du plomb, tout simplement. Du plomb. Alors, je sais pas s'il y a un système de profondeur. Un peu comme Minecraft, par exemple, le plomb, on le trouve qu'à certaines profondeurs, le cuivre un peu plus haut, ou je sais pas. S'il y a un système de profondeur... S'il y a un système de profondeur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait. Et si vous avez le moindre conseil pour moi, n'hésitez pas à commenter. Je lis tous les commentaires, de toute façon. Surtout là, en ce moment, il n'y a pas foule hein, qui regarde mes vidéos, de toute façon. En tout cas, le moindre commentaire montre que vous avez de l'intérêt pour mes vidéos, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je tiens aussi à vous informer que... Putain, ils ont fermé leur gueule. Que... Je vous avais dit que j'avais le DZ standalone, que j'avais un énorme bug, donc que pour moi, c'était impossible de faire des vidéos dessus. Bah, le bug a été corrigé, ou alors c'est moi qui ai réglé quelque chose, je sais pas. Ça a été corrigé, il y a sûrement eu un patch ou quelque chose. Donc il y aura sûrement des vidéos sur le standalone bientôt, très bientôt, d'ici un ou deux jours peut-être. Le temps pour moi de les tourner, de les monter. Je serai peut-être pas tout seul, je serai peut-être avec Killer Surprise. On en a vaguement parlé. En tout cas, de toute façon, c'est lui qui m'a offert le jeu, hein, c'est un de ses cadeaux. Donc Killer, si tu regardes la vidéo, je pense que tu la regardes. Encore merci à toi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et comme ça, on va pouvoir jouer tous les deux, vous proposer du contenu en coop sur DZ, même si je sais très bien que le coop n'est pas encore très pratique sur DZ, étant donné qu'on réapparaît à des endroits différents, etc. Mais apparemment, plus tard, il y aura moyen d'apparaître en groupe, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc on verra bien comment ça se passe. En tout cas, Killer, merci à toi encore une fois. Donc là c'est encore le Dawa. Le seul truc que j'espère c'est qu'ils soient pas en train d'attaquer la pierre en fait. J'espère qu'ils sont pas en train d'attaquer la pierre. Parce que là c'est...
dans la merde. Oh là là, là non, c'est la terre qui pète là. Quand on voit les petits débris qui descendent, je crois qu'ils sont juste en train de péter la... De péter la terre. Allez. Pour l'instant, j'ai pas mal de stone. Hein. Alors avec la stone, on peut faire des petits cailloux. Je crois qu'on peut... Ah voilà, qu'est-ce que c'est ça? La cobblestone. Et avec la cobblestone, on peut refaire autre chose. Non, je sais plus. Je verrai pour les crafts, pour les matériaux de construction. Trap mine. Je sais pas. Ouais, stone... Lame d'or, d'or, art metal. C'est avec des lingots. Yeah. Ah, ça c'est cool, je vais faire une porte. Je vais prendre la stone. Je vais tout simplement faire une porte. Hop. Comme ça, s'ils sont rentrés à l'intérieur, je serai averti, quoi. Je les entendrai taper dans la porte. Donc c'est plutôt cool. Là, j'aurai... Ce sera un petit système d'alarme intégré à mon truc. Puis comme ça, je veux dire, j'aurai juste à ouvrir la porte avec le fusil à pompe et les aligner un par un. Donc pour l'instant, je suis en sécurité. Ah, ça c'est encore du fer, je crois. Alors il y a ma pioche qui commence à faire la gueule. Allez. Ah, ça c'est du charbon, je crois. Donc oui, je disais, j'ai ma pioche qui commence à faire la gueule. Ah d'accord, un stack de stone, c'est 64. Ok, ok. Ouais, je vais commencer à la transformer en cobble. Donc, cobblestone. Hop. Ça prend moins de place. Non, ça prend exactement le même nombre de place. Bon, ouais, c'est tout. Iron ore, ça me fait des lingots en plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raffiner? J'avais pas autre chose. Est-ce que je peux faire de la poudre? Je crois que c'est comme ça. Ouais. Je peux faire ma poudre. Alors c'est 4. Ouais. On peut pas les restacker ensemble, c'est pas grave. Ouais. Hop. Réparation de pistolet. Tac. Ça me fait encore. Merde, beaucoup. Ça me fait encore du gain de place. Ouais, je vais refaire une pioche. Donc je disais, ouais, ma pioche, elle fait un peu la gueule. Du coup, j'ai plus de bâton vu que j'ai tout utilisé pour faire des pics. Du coup, je peux pas refaire de petit. Ah si, voilà. Je peux utiliser ça. Voilà. La pioche. Voilà. Tac. Et je vais garder cette pioche-là. La pioche endommagée, je m'en servirai juste pour réparer celle-là. Quand il y en aura besoin. Ça va, pour l'instant ça a l'air d'aller. Hein. J'ai pas encore été attaqué. Ah ça va mieux là. Ah ça a rien à voir là. Bon. On va quand même prendre ça. Putain j'ai plus de place. Faudra que je retourne au coffre. Faut que je retourne au coffre pour... aller chercher de quoi faire, mais malheureusement on va s'arrêter ici pour cet épisode. Ça s'est fait déjà un bon petit bout de temps, le temps d'un épisode quoi. Donc voilà, c'était l'épisode 4. J'espère que ça vous a plu. Ouais, donc je disais, de futures vidéos coop à venir, dont sur DZ Standalone ou Daisy, hein, je suis sûr qu'il y en a derrière son écran. Oh là là, il dit DZ, enfin bref, ça c'est comme tous les jeux, hein. Il y en a qui disent Minecraft, enfin bref.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des conseils pour moi, parce que je suis un peu un newbie encore, hein. Je suis un gros noob dans pas mal de jeux de toute façon. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire. Si vous avez la moindre question, des conseils ou même une critique sur mes vidéos, franchement n'hésitez pas, dites ce qui vous passe par la tête, n'importe quoi. Si vous avez envie de dire chaussure, dites chaussure, hein. Même ça, ça fera plaisir, ça montrera que voilà, il y a quand même quelqu'un derrière son écran qui regarde une de mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait encore plus plaisir. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis si vous en avez qui s'éclatent sur ce jeu-là. N'hésitez pas à leur partager la vidéo. Et un grand merci de me suivre dans ma pseudo-aventure sur ma chaîne, donc merci à tous. Et on se retrouve très 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 bientôt pour l'épisode 5, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'était Azarat pour Gaming for Fun. Je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !